Eh bien non, vous ne rêvez pas, nous sommes bien au 21e siècle. Mais si l'on rencontre encore aujourd'hui des ménestrels et autres personnages costumés dans les rues de Kaisersberg, c'est que depuis une dizaine d'années, l'Office du tourisme de la vallée organise des visites guidées nocturnes plutôt singulières. Et encore ! En plus de découvrir l'histoire, les charmes et les curiosités de la cité, la visite est ponctuée d'intermèdes musicaux. Et la formule enchante le public qui se rend toujours en masse à chacune des éditions. Pour la partie historique, Daniel Herret, guide régional et écrivain, donne un éclairage pertinent sur les différents lieux visités ainsi que sur les us et coutumes de ses habitants, sans manquer d'y apporter une touche d'humour qui fait le charme du personnage. Sans Jean-Bel Pétrin, il finissait au pied. Ils avaient enlevé les bottes, quand même. Mais quand vous saurez qu'en ce temps-là, on se lavait les pieds au moins une fois par année... Entre chaque station de la visite, il y a de la musique et même de la danse parfois. C'est l'accordéoniste Robert Schreiner qui accompagne de son instrument les déplacements du public en interprétant des grands classiques de la musique folklorique alsacienne avec une touche contemporaine dont il a le secret. Marie-Madeleine Sigward, quant à elle, apporte une touche aérienne à la visite. Car lorsqu'elle pince les cordes de sa harpe celtique, il en sort des sons qui transportent petits et grands dans un univers magique et subtil. Parmi les lieux visités de Kaisersberg, il y a l'église Sainte-Croix avec son fameux rétable de 1518 et son orgue Valtrin de 1720. L'occasion idéale pour l'organiste Jean-François Rich de s'installer aux claviers et pédales pour partager avec le public un instant musical empreint de profondeur mystique. Autre personnage et non des moindres, le ménestrel jovial et farceur incarné par Jean-Pierre Albrecht. Il joue de multiples instruments anciens et chante en dialecte et en français. Lui jouait de la guimbarde. Je m'arrête tout de suite, la guimbarde, ça n'a rien à voir avec les vieilles de chaud et les quatrelles et les tractions. Hein. La guimbarde, c'est un... C'est un instrument de musique, un gâteau. Tu vois, ils ont faim ceux-là, dis donc. Hein. Ouais, c'est bientôt fini, attendez. Hein. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Wo bist du? Wo bist du? Salut. Komm mit. Bref, des visites guidées hors normes qui permettent de réunir à la fois le plaisir d'apprendre et de se cultiver avec le plaisir de se laisser transporter dans différents univers musicaux. Le tout avec beaucoup d'humour et de convivialité. Que l'on soit alsacien ou touriste de passage dans la région, c'est un événement à ne pas manquer. Pour connaître les prochaines dates de visite, il suffit de téléphoner ou consulter le site de l'Office de tourisme de Kaisersberg.